précédemment dans Chain of Memories. Cette musique est tellement belle. Regardez, un avis de population. C'est une compétition. Ça s'appelle la Coupe du Colisée de l'Olympe. Écoutez un peu ça. Le grand héros Hercule participera au tournoi. Et si l'on s'inscrivait lui aussi? Et si on ne s'inscrit pas, tu vas quand même y aller, pas vrai? Oui. Seuls les concurrents qui finiront l'épreuve éliminatoire pourront participer à la compétition. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Oh là, une petite minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'enverrai bien en enfer, et pour de bon cette fois. C'est pour ça que vous m'avez engagé. Tu dois battre Hercule pendant le tournoi, et lorsque tu l'auras mis en difficulté, finis le travail. Fais ça pour moi, et vous me rendrez mes souvenirs perdus comme convenu. Tu as ma parole. Bonjour, j'ai oublié ton nom, toi. Mais d'où sortez-vous comme ça? Vous allez passer les éliminatoires? Vous êtes au bon endroit. En deux mots. Vous n'êtes pas des héros? Comment pouvez-vous compter des héros si tu ne donnes pas notre chance? Il a raison, Phil. Sinon, il n'en reste plus qu'à annuler le tournoi. Les épreuves éliminatoires du vieux Phil étaient si difficiles que personne d'autre n'a réussi. Laissez-nous participer, le tournoi ne sera pas annulé. Puisque ton équipe et Hercule êtes les premiers les seuls plutôt pour les premiers. Faux. J'ai hâte que ça commence. Je le retiendrai pour mes coups. Que le meilleur gagne. Très bien, que le spectacle commence. À vos marques, prêts? Partez! C'est parti, clé conseillère. Hop. Oh, c'est gentil de nous avoir attendu. C'est ton adversaire, Dingo, logiquement. Et il ne nous attend pas. Tu te souviens de la règle 3? On ne peut perturber ses adversaires pendant la course. Il veut éliminer ses concurrents. Rangez-moi ça, ce n'est pas avec vous que je veux me battre. Allez-vous-en. Alors allez-vous-en. Je le vois. Tu vois, il nous attendait. Oui, bien sûr, Dingo. Eh bien, ça y est, on est là, maintenant. Acceptons son offre et allons-nous-en. Je ne vois pas ce qu'il gagne, j'avoue. Enfin, ils ont pas compris qu'ils voulaient affronter Hercule, mais bon. Tu es sûr de toi? Je me fiche de la coupe. C'est Hercule que je veux. Allez, bim! Il va perdre plus qu'une petite compétition. Tu veux dire que... Et pourquoi? Que t'a-t-il fait? J'ai passé un marché. Ne te mêle pas de ça et va gagner la coupe. Ah ouais? C'est ce que tu crois? Tu sais ce que tu fais? Oh oui! Avec le numéro 3, on peut perturber ses adversaires durant la course, pas vrai? Tu n'es pas le seul qui souhaite combattre Hercule. Oui, mais bon, c'est pas pour les mêmes raisons, là. Tu fais une grosse erreur. Non, c'est toi qui fais une grosse erreur. Et c'est parti, combat contre Cloud. Aïe, aïe, aïe. Alors, il est plutôt puissant. Et on l'est aussi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 non. Tu t'as cru quoi, là, Cloud? Aïe, 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 aïe. Parce que je peux t'utiliser qu'une fois! Aïe 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 aïe! Oh mon dieu, là il me fait mal! C'est parti! Bim, tu as. Aïe aïe aïe! Eh mais je me suis en train de me faire lobotomiser! Ah! Aïe! Aïe 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 aïe! Je veux me soigner! Soignade! Toi, je t'utiliserai plus tard. Quoique non, j'utiliserai maintenant. Voilà. Hop. 11. Je vais te garder ici. Hop. Et toi, je te garde. Ouh. Aïe, 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 aïe. Je recharge. 4, ça doit être bon. Quoi, j'ai pas de combo avec 15. Aïe. Ah. Et je vais le finir en beauté parce que je vois qu'il a plus de vie. Toi, viens là.
Eh ben écoutez, je pensais faire un glacier plus, mais non! On a battu Cloud! Hop! Et on a une potion plus! Rien que ça! Écoutez, on va augmenter les PC. Parce qu'on aime ça, hein, augmenter les PC. Allez, on a battu Cloud! Il a l'air d'être parti là. Où est passé Cloud? Il se dirige vers la ligne arrivée, rattrapons-le! Oh, il nous a dupés! D'accord. C'est parti. Direction la ligne d'arrivée. Clé verdicte. Et moi je dis, on fonce dans le tas. Quoique, maintenant que j'ai une potion plus, j'hésite. On va virer la potion qu'on a. Hop, on vire cette potion. On met la potion plus qui... 48. Oh, c'est pas beaucoup. Et on va mettre... Ah ouais, mais là je pense que je vais pas avoir assez. Oh si. C'est parfait, tout ça c'est parfait. Zut, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Hop, et ben écoutez, on a un éther. Et ben on va faire un truc. On va mettre la potion. Donc on va faire ça. On va mettre la potion plus là. Et on va mettre l'éther là, ce qui sera plus logique. La potion plus, je crois que ça sert à pouvoir l'utiliser deux fois. Enfin, je crois qu'on peut l'utiliser deux fois si j'ai compris. Carte objet, potion plus. Recharge les cartes attaque sans temps de chargement. Même pour cartes normalement non rechargeables. Mais c'est quoi la différence alors? Ah d'accord, maintenant on peut recharger les cartes qui ne sont pas rechargeables. Par exemple, si on fait un combo de 3, normalement quand on fait un combo de 3, la première carte disparaît, là on pourra la recharger. Et pareil pour les cartes extra, on pourra recharger les cartes extra. Mais c'est génial! Mais je suis complètement pour! Ça va beaucoup me servir, je le sens. Allez! Eh ben écoutez, non, il y a un monstre qui nous a dit non, tu ne passeras pas. Mais j'ai pas trop envie, quoique j'ai combien. Je sais pas combien il me reste de points d'expérience à gagner pour prochain niveau. Hop. Ouais, bah finalement, au revoir les tonnois. Hein, voilà. J'aimerais bien récupérer de la vie, hein. Parce que je vous rappelle que là on est à la clé véridicte, enfin on est dans le lieu véridicte, enfin bref voilà. Et qu'on va affronter un boss, si vous suivez bien. Donc non, là c'est pour la carte jaune. Une carte gravité. Ok. Encore une carte gravité. Décidément on aime ça. Alors où j'en ai ensuite des HP? Oh bah j'ai récupéré tous mes HP, ça c'est cool. Des points mug. Hop. Encore des points mug, décidément on aime ça. Et là c'est une carte de nous. Ouais bon, on va pas les affronter. Hop. Fuite. Voilà. Est-ce que j'ai des nouveaux trucs dans le journal? Je crois pas. Non. Des points mug. Et bah écoutez, on va aller ici. Et on va aller s'acheter des trucs. Allez, on va s'acheter un paquet comme ça. Nul, ouais bien, nul, nul et très nul. Écoutez, on va aller vendre des trucs. Hop, 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 hop. Même les 5, j'ai envie de les vendre. Une carte 3, ça va pas me servir à grand chose. Une carte 0 non plus. Ça, je le garde quand même au cas où. Ça, ça me servira à rien. Hop. Voilà. Ça sent rare d'en avoir trop. Et voilà. Donc on va se racheter... des cartes. Bon, encore un paquet comme ça. Hein. Alors bien, nul, bien, bien, nul. Voilà. Mais écoutez, dans la prochaine vidéo, mon paquet sera nettement plus différent, hein. Et ça se verra. Parce que là, je vais garder mon paquet actuel, je n'ai pas trop envie de changer. Disons que j'ai pas beaucoup de points de compétences. Oui, je crois que c'est ça, les points de compétences, les PC. Alors... Oh, mais c'est pas possible. Non, je ne veux pas t'affronter. Enfin, je veux pas vous affronter. Des points MOG.
Hop. Encore des bombes. Mais décidément, le jeu veut qu'on aille acheter. Hein. Hop. Aïe. On a combien de points bug là? 200. Pile 200. Mais bon, on va pas y aller. Hein. Parce qu'on va aller voir le boss. Moi je dis, c'est parti. Let's go. Et bim, Hercule. Oh, on a... Tu as perdu, abandonne Cloud. Oh, Cloud a perdu contre Hercule. On s'en doutait pas. Ce n'est pas encore fini. Si on continue comme ça, ça risque de mal tourner. N'est-ce pas? C'est toi qui devrais t'inquiéter. On dirait que tu te fatigues. Oh, effectivement. On va te défendre, Hercule. Pas de panique, je viens t'aider. On a déjà battu Cloud une fois, on peut le refaire. Sera. Il peut t'aider tant qu'il veut. Je vais te tuer et récupérer mes souvenirs. Et bim! Quoi? Tes souvenirs? Allons, Cloud. Il ne faut pas vendre la mèche. Et bim! Bonjour, Hadès. Hadès, toi, ici! Tu n'es pas aussi fort que tu veux bien le dire, Cloud. Oui, on l'a battu. Tu n'as fait que l'épuiser. Ce n'est pas bon pour ton score. Je vais être clair, petit avorton aux cheveux hérissés. Tu virais! Et bim. Non! Mes souvenirs. On a passé un marché. Oui, ce que tu devais tuer, Hercule, mais tu... Tu croyais vraiment... tu croyais récupérer tes souvenirs aussi facilement? Quelle naïveté. Oui, on parle d'Hadès quand même. Hein. Espèce de... Connard, tu peux le dire, Cloud. Tu virais, j'ai dit. Je me chargerai d'Hercule moi-même. Bim! Hé! Règle numéro 5. Il n'est jamais trop tard pour participer au tournoi. Oui, t'inventes des règles comme ça. Merci, Hadès. Hadès, tu es dernier. Tu es derrière tout ça depuis le début. Non, on s'en doutait pas. Cloud n'a peut-être pas. Ne t'a peut-être pas éliminé, mais tu es à bout de force. Passons au plan B. Fais tes bagages, Hercule. Tu as gagné un voyage gratuit pour l'enfer. C'est moi qui régale. Écoute, moi aussi, c'est moi qui régale, mon cher Hadès. Une seconde, pète le feu. Moi, je régale un combat, mon cher... Tu sais, c'est moi qui régale, je paye la note. Tu n'auras qu'à rentrer par taxi, mon cher Hadès. Sera un nom. Enfin, Hercule, comment veux-tu qu'on continue la compétition si tu es en enfer? Bien vu, petit. Ça, c'est en gros. Ne bois pas. Non, ça, c'est... C'était des comparaisons très nulles. J'arrête avec mes comparaisons, c'était nul. Bien vu, petit. Tu vas devoir y aller avec lui. Mon Dieu, si Sora va en enfer... Et c'est parti. Règle numéro 6. Il n'y a pas de règle. Eh, Sora versus Hadès, c'est parti. Aïe. Ça va déjà être un peu plus chaud que Cloud, je crois. Aïe. Ah ouais, donc là, il est invulnérable. Aïe, 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 aïe. Aïe, Hadès, arrête. Merci. Ah non, il n'est pas vulnérable. Il n'est pas vulnérable, ça c'est le bien. Hop, et voilà. Quoique j'aurais peut-être dû attendre finalement. Oh là, oh là, oh là, oh là. Doucement, Hadès, doucement. Aïe, 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 aïe. Oui, ça c'est bien. Sauf que j'ai utilisé ma carte extra pour rien. Et ça c'est nul. Bim. Mange-toi du lion. Je me soigne. Oui, je suis pas contre me soigner en fait. Alors là, on va utiliser l'autre carte malus. Voilà. Et bim. Ça va rien lui faire évidemment. J'ai pas, il a pas réussi à viser, mais bon. Aïe 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 aïe. Allez. Ouais, j'ai réussi.
Ouais, c'est très pratique. Viens là, Hadès. Aïe. C'était nul ce que je viens de faire. C'était même très nul. Putain, mais je suis pas doué. Allez. Ah. Est-ce qu'il sera? Mais j'ai pas de carte pour J'ai pas de carte pour l'étourdir. Aïe. Meurs. Et je peux pas me sauver là en fait hein. Meurs. Ouais non, c'est bien ce que je me disais, salut Perry. Genre il a des cartes malus. Mais d'où tu as des cartes malus, Hadès? Je ne t'autorise pas à avoir des cartes malus. Bah écoutez, moi je ne suis pas contre à ce que je mette des cartes malus, moi aussi. Il va en mettre? Bah écoute, on va en mettre aussi. Aïe aïe aïe! Arrête, Hadès! Je te demande d'arrêter. Tu es un vilain garçon, Hadès. Alors maintenant tu n'es pas... Enfin si tu es un garçon mais tu es Hadès des enfers, tu es le diable. Oui on peut considérer Hadès comme le diable. Oh non mais le génie allait réussir. Tu es nul Hadès, tu es nul. Aïe. Laisse-moi recharger Hadès. Vous voyez déjà que le combat est déjà plus dur. Hein. Les combats de boss deviennent de plus en plus durs hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Et encore, celui-là, c'est pas le plus dur, hein. On a débloqué Dingo. On a Dingo. Sauf que j'ai pas envie de l'utiliser. Il faudrait vraiment qu'il ait une carte plus puissante. Bim. Allez, j'ai un autre Dingo. Vas-y, génie. On se soigne. Ah non. Vas-y. On est bien là. Ah non, j'ai utilisé Dingo, mais quel débile. Ouais. On a battu Hadès. Ouais. En fait, j'ai bien fait. On a vaincu Hadès. Et on a même pas de level up. Bon, carte malus d'Hadès, ça c'est fait. Bon, on a vaincu Hadès. Youhou. Quoi? Le tournoi est annulé? Pourquoi? En trois mots. Tout le monde s'est planté. Ça fait 5 mots. Allez, Dingo. Une minute. Ça fait 6. Ah bah, Dingo Dingo m'a battu. Tu veux rire? Et mon match contre Hercule. Enfin, avec Hercule. Désolé, Sora. Mais dans ces conditions, ce n'est pas raisonnable. On fera un match quand je serai rétabli, d'accord? Oui, je pense que c'est plus raisonnable, en fait. D'accord. On verra ça plus tard. Alors, c'est réglé. Sora par ici. Hein? Sora, par ici, il arrive. Ah d'accord. J'ai pas compris. Ça va? Oui. Désolé d'avoir gâché ton tournoi. Hé, j'espère que tu retrouveras la mémoire. Bah moi aussi, écoute. Oublie ce qu'Hadès a dit. Parfois, un petit détail peut te rappeler une chose oubliée depuis des années. Eh oui. Et c'est vrai en plus. Si c'est un souvenir important, tu peux y arriver, j'ai pas tout lu. C'est mon avis en tout cas. Oui, bah oui, tout le monde a son avis, Sora. Bim. Une carte. Merci pour la vibration. Tiens, prends ça, pour m'avoir aidé. Tu es sûr que tu ne veux pas venir avec nous? Bah, techniquement, il vient avec nous. Oui, bon, vous allez venir, on a une carte cloud. Donc, désolé, ça ne m'intéresse pas. Et on a Cloud. Ah, on a la carte Cloud. Là, j'hésite même pas. C'est voir jeu. Voir jeu. On vire une carte. Je m'en fiche que ce soit n'importe quelle carte. Par exemple, celle-là, c'est en coup surpuissant. En fait, je vais la virer. Elle me sert à rien. Je la vire et je prends Cloud. Je prends Cloud. C'est une obligation. Je me l'oblige. Parce que Cloud, c'est juste méga puissant.
Et d'ailleurs, je vais me la mettre ici. Bon, écoutez, je fais une pause, j'arrive tout de suite. Donc, désolé de vous avoir imposé une pause, mais bon, on m'appelait un peu partout, sur Skype, sur téléphone. J'ai compris que vous voulez m'écrire, mais je suis en pleine vidéo. Bon, j'aurais pas dit ça, mais techniquement, c'est l'idée. Alors, journal, donc vous savez que là, on va avoir des trucs. Histoire, donc déjà, on a l'histoire du Colisée de l'Olympe. Sora voulant se mesurer à Hercule, nous avons participé au tournoi. Ouais. Nous avons participé au tournoi de l'Olympe. Pour l'aider à éliminer Hercule, Hadès avait engagé un mercenaire nommé Cloud. Celui-ci espérait en échange récupérer sa mémoire. Mais Cloud ne parvint pas à battre Hercule. Et lorsque Hadès arriva pour achever notre ami, Sora prit les choses en main. Eh oui, parce qu'on est très doué, hein. Liste de cartes. Carte magie. Donc là, on a la carte Cloud. Double coup d'épée, stock 3 cartes pour pouvoir utiliser Omni Slash. C'est l'attaque en l'air, si vous voulez. Ah oui, on... Ah bah oui, la carte Hadès. Je suis bête. Et Hadès. Fury, renforce les cartes attaque si tes HP sont bas. Jauge rouge. Durée 30 attaques, résiste au feu, assommé par la glace. Oh, c'est cool ça. C'est-à-dire qu'on peut, on résiste aux attaques brasier, mais on peut être assommé par les attaques de type glace. Et personnage 1. Bah oui, on a Cloud. Ce brillant mercenaire avait été engagé par Hadès pour éliminer Hercule. Cloud cherche maintenant à retrouver la mémoire. Est-ce pour comprendre ce qu'il est ou identifier la personne qui entre ses rêves? Donc je vous rappelle, hein, Cloud, Final Fantasy. 10... Non, Final Fantasy 7, je dis des conneries. Final Fantasy 7. Final Fantasy 10, n'importe quoi. Final Fantasy 7, les gens. Avec Sephiroth. Hercule, donc, les personnages du Colisée de l'Olympe. Né de l'union de Zeus et d'Alcem. Oui, d'Alcem. Hercule n'est toutefois pas un dieu. Doué d'une force titanesque et d'un grand cœur, Hercule est un vrai héros. Il n'a jamais perdu au jeu du Colisée. Ouais, mais c'est parce qu'on l'a pas battu, ça. C'est triste, d'ailleurs. Philoctète. Entraîneur d'un grand nombre de héros, dont Hercule. Aujourd'hui, Philoctète dirige le Colisée et organise les jeux. C'est bien, ça. Hadès. Seigneur des Enfers. Hadès déteste Hercule. Il a incité Cloud à défier Hercule dans un combat à mort, mais nous avons mis un terme à son complot, parce qu'on est trop doué. Écoutez, moi je dis, continuons l'histoire. Et revenons pour le quatrième palier du Manoir Billon. J'espère que le roi va bien. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Je voulais être sûr que je ne l'avais pas oublié. Oui, ce serait pas mal. Alors? Je m'en souviens très bien. Dango et moi avons décidé de le retrouver. Oui, le roi a aidé à sauver le monde en restant de l'autre côté de la porte des ténèbres. Si Dango s'en souvient, je ne suis pas prêt de l'oublier. C'est un clash, Donald. J'ai oublié. Est-ce que je fais un popopo ou est-ce que ça va? Et moi, je cherche Riku. Il était avec le roi quand la porte s'est fermée. Bon bah très bien. Je crois qu'on ne peut pas oublier les souvenirs importants. Bah yeah, vous oubliez pas Riku ni le roi. J'espère que non. Mais est-ce qu'il se souvient de Kairi aussi, Sora? Parce que c'est bien beau se souvenir de Riku, mais s'il se souvient pas de Kairi... Je parie que Riku et le roi sont toujours ensemble. Eh bah je ne l'espère aussi. Bon, pour ma part je sais où il est, mais bon... Je sais où ils sont tous les deux même, mais bon... Il faut vite qu'on retrouve le roi, ça je ne suis pas prêt de l'oublier. Je sais où sont le roi et Riku, je ne vous dirai pas, mais bon, c'est pas grave. Alors, bah écoutez, moi je dis, on continue. Bonjour, Axel et... Et ma fille qu'on vient de rencontrer, parce qu'on ne l'a jamais vue, elle. Oh, Axel, tu as l'air très intrigué par Sora. Pas toi? J'hésite encore, mais je voudrais connaître ton avis.
Il s'est transformé en sans-cœur, là, Larsen. Et tu sais ce qui arrive à ces gens-là? Ceux qui perdent leur... Re! Décidément, je vais jamais réussir à finir cette vidéo! Ceux qui perdent leur cœur perdent aussi l'esprit et les sentiments et leurs sentiments. Ils sont consumés par les ténèbres. Exact. Mais ce n'est pas le cap de Sora. Même changé en sans cœur, il a conservé ses sentiments. Oui, je vous rappelle, pour ceux qui ont joué à Kingdom Hearts 1. Oui, parce que ils vont dire des trucs de Kingdom Hearts 1 dans ce jeu. Hein. Si vous voulez pas être spoilé. Un seul a réussi à en faire autant. Bah, c'est Sora. Ah non, 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 je dis des conneries. C'est donc la force de son cœur qui t'intrigue. Non, non, il n'y a pas que... Non, non, je dis des conneries. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que Sora qui a réussi à conserver ses sentiments. Eh oui, pour ceux qui connaissent l'histoire du jeu, hein, je ne spoile pas, hein, parce que c'est par rapport à KH 1, 2 et... Si je ne m'abuse, 358 sur 2D. Dream Road Distance. Voilà. Ce cœur choisi par la Keyblade. Pourquoi est-il si fort? Quel secret renferme-t-il? Le cœur est une chose bien mystérieuse, Axel. Oh oui. Oui, et c'est pour révéler les mystères du cœur que l'organisation existe. Oh! Oh! Donc on apprend qu'une organisation est créée. On a une organisation sous les pieds. Donc, à part nos amis, on oublie tout progressivement. Je me demande ce qu'on vient d'oublier. Bah, tu as déjà oublié la forteresse oubliée, donc... Non, je vois vraiment pas. J'ai dû oublier. De toute façon, ça ne devait pas être très important. Exact, sinon tu n'aurais pas oublié. Regarde un peu. Qu'est-ce que c'est? Le porte-bonheur de Kairi! Un porte-bonheur que Kairi m'a donné. Elle y tenait, j'ai juré de lui rendre. Je n'oublierai jamais cette promesse. Donc, Sora n'a pas oublié Kairi. Et ça, c'est bien. C'est pour ça que je me souviendrai toujours de Kairi. Je me demande ce qu'elle fait en ce moment. Bah, elle est dans l'île du destin. Pour ceux qui se souviennent, elle est... Hop, bah écoutez. Oh, bonjour Kairi, hein. Qu'est-ce que... Bonjour Kairi. Oh! Bonjour, fille mystérieuse. Oh! Ils comprennent rien, lui. C'était qui? Eh, hey, oh, tu m'entends? Oh! Hein? Rien, tout va bien. Bon, continuons à avancer. Oh, et ben ça c'est intriguant, parce que on vient de voir Kairi, mais une fille est apparue juste derrière. Et si vous vous souvenez, au début de la vidéo, enfin au début de l'aventure, on a vu cette même fille dans une autre pièce. Est-ce que tout serait lié? J'en sais rien, en tout cas, on va s'arrêter là, parce que je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on filme, j'adore dire cette phrase. Et donc dans la prochaine vidéo, où est-ce qu'on ira dans la prochaine vidéo? Et ben on ira au pays des merveilles, on ira voir Alice, hein. Et ensuite il nous restera, merci ma souris, il nous restera la ville d'Halloween et Monstro. Ben écoutez, c'est un bon programme, j'ai envie de dire. Bon, de mon côté, vous me connaissez, j'irai faire du level up, hein, parce que vu toutes les cartes qu'on a, écoutez, j'ai envie de monter de niveau. Vu les combats, vous avez vu à quel point les combats peuvent être assez longs et c'est dur. Bon, on a gagné, mais bon, c'était plus chaud qu'avant. Hein. Bah tiens, et d'ailleurs le jeu nous indique bien la ligne qu'on est censé suivre. Pays des Merveilles, ensuite Monstro, et ensuite pour finir, la ville d'Halloween. Et après, bah vous verrez ce qui se passera. Bah mine de rien, on approche déjà à la demi-moitié du jeu. Hein. À la demi-moitié, bien sûr. À la moitié du jeu. On arrive déjà à la moitié du jeu, hein. Vous vous rendez compte?
si je me souviens bien, le nombre de paliers a déjà été donné. Et on est au palier numéro 4. Numéro 5, numéro 6, et après, on verra. Je sais plus si le nombre de paliers a été donné. Si c'est pas le cas, je préfère pas le dire. Alors, et bah écoutez, on va déjà aller voir ce que... Parce qu'on n'a pas été voir Dingo, et... Kairi serait tellement contente que tu retrouves Riku et que tu le ramènes. Oui, bah oui. C'est un peu le but de Sora, et... Voilà. Ne perds pas le porte-bonheur de Kairi, t'as donné, hein. De... Oui, t'inquiète pas, on le perdra pas, Donald. On le perdra pas, hein. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que je continuerai Wario Land 4. J'ai déjà essayé de filmer, mais bon, disons que j'ai eu un petit souci de mon côté. Un petit souci technique d'ailleurs. Merci Action, n'est-ce pas? Bref, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo de Cuba, parce que la deuxième vidéo de Devil May Cry est arrivée. Donc, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gens, et à la prochaine.